Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ici Paniniman et bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo d'un nouveau format. Encore une fois, celui-là est un format bonus, hein, il n'y en aura pas tout le temps, c'est tout simplement un vlog, voilà. Jamais j'aurais pensé vloguer dans ma vie, je pense, mais aujourd'hui, on va un petit peu un événement exceptionnel. Nous sommes le mardi 10 mars 2018 et aujourd'hui, c'est le concert d'Orelsan à Bordeaux. Et en fait, je vais y aller tout simplement avec mes deux meilleurs potes et ma sœur et j'avais envie de vous filmer tout ça pour vous montrer tout simplement quelques images dans un vlog littéralement court, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans la voiture. Transition de vlogueur. Ouais. Et on va où? Chercher Louis Renault. Et pourquoi? Pour aller voir Orelsan. On va bientôt retrouver le Louis et le Renault. Ah bah ils sont là. Ça. Juste là, la voiture. On arrive. Hello, coucou. Et là c'est ciao. Voilà. On se casse avant d'avoir. Et regardez, ils sont beaux. Oh. Ah coucou. Bah ouais mais c'est huit. Ah coucou. Eh ça te prend. Ah si si, un petit peu en route. Attends. Et on va où Louis? Et bah, pour ça, j'aurais ça. Et on va au Renault? Ouais, on va au pute. Une petite pipe. Ouah. Une petite pipe. Ouah. Et un, et deux, et un, deux, trois. Hey, c'est le moi qui est en train de faire le montage de la vidéo, juste pour vous dire qu'en fait, il était prévu que pendant le concert, je prenne ma GoPro, hein, et que je filme quelques petits extraits, puisqu'à la base, le but du vlog, c'était de filmer ce concert, voilà. Le truc, c'est qu'en fait, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit d'emmener de GoPro, parce que je pense que ça peut être utilisé comme arme, du coup, c'est totalement interdit. Donc, je me suis fait baiser. Mais, heureusement, j'ai pu récupérer tous les rushs téléphones de mes potes et de ma sœur, bien évidemment, qui ont fait des photos et des vidéos sympas. Mais l'inconvénient, c'est que la qualité sera vraiment dégueulasse, hein, on va pas se le cacher. En attendant, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Parce que vous êtes un basique, ça. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent mieux, ça. Tu distribues tes CV dans les macros, alors je comprends que tu voudrais faire un feat. Ouais. Mais moi je voudrais un Big Mac, une grande fille. Tout le monde. Et ça fait un pour mon étoile, deux pour ma bite. Passe ton rendu 14 000, tu sais où j'habite. Dormi dans les squats, dormi dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les bars, dansé dans les squats, traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les bars, dormi dans les squats, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les squats. Les sentiments sont plus purs, voilà pourquoi j'écris des chansons structures. J'essaie de prendre du recul, j'essaie d'avancer. Les chants murmurent, j'ai du mal à m'entendre penser. Actrices de boule en soient témoins, rien prend l'effet qu'éloigner la fin. Tu dis qu'on verra bien, tu fais malin mais t'es fragile. Comme le dépistage, tu regrettes à l'examen. L'école est un filtre qui rend tout très chiant. Comme mes fils en noir et blanc, le plus dur c'est de rentrer dedans. Regarde derrière le but, en parlant de but, j'aimerais accueillir la nouvelle femme de Nico.
écarts ou mes côtes plus sécaires, mais au point son prochain ragor. Pardonnez-la, elle serait pas comme ça si son mari la trompait pas. Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça. Je sais pas. Message à tous mes lointains cousins, venez on arrête de faire copain copain. Parce qu'un ancêtre on sait pas qui c'est, et la seule chose qu'on a en commun. Yo les gars, je profite de ce petit timelapse pour tout simplement vous faire un petit compte-rendu du concert. Alors que dire déjà, c'est que j'ai surkiffé, c'était génial, il a chanté ses meilleures chansons. Au niveau de la mise en scène et du jeu, c'était vraiment génial aussi. Après donc au niveau de tous les jeux de lumière, ça pétait de partout, c'était hyper bien géré. Ensuite, ma meilleure chanson, ça a été Railsan, voilà, quand il l'a interprété, c'était fou. Tout le monde croyait que c'était fini en fait. Et là, il est revenu en force avec ses vieilles chansons. Et il a commencé par Railsan donc. Ensuite, au niveau de l'ambiance générale, c'était quand même une bonne ambiance. On sent que ces fans, ils sont vraiment fans. Hein. Au concert, on voit que c'est les vrais qui sont là. Donc voilà, c'était mes impressions sur le concert en général. Je vous laisse avec ma petite outro que j'ai tournée totalement fatiguée. J'en profite aussi pour vous dire merci pour les 100 abonnés, c'est vraiment super cool. C'est que le début les gars, n'hésitez pas à partager ma chaîne. En attendant, je n'ai plus qu'à vous laisser avec ma petite outro de moi fatigué. Yo, alors, petit débrief, c'est terminé. Je suis rentré. C'était trop bien, c'était génial, c'était trop cool. Donc voilà, maintenant je suis mort. Je pense que ça se voit très clairement et ça s'entend aussi. Donc je vais aller dormir. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager la vidéo et surtout vous abonner. En attendant, si ce vlog vous a plu, hein, ce premier de la chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et surtout en lâchant un gros like, comme je vous l'ai déjà dit. En attendant, je pense que moi je vais aller faire un bon dodo, une très bonne nuit. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.